C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ça casse pas des briques, mais enfin bon. Sympathique. Pas vraiment fan de l'écran. de l'écran titre en fait. Vu qu'il n'y a pas de titre. Peut-être qu'il apparaîtra après, je ne sais pas. Enfin bon, bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos. Bienvenue pour une petite découverte. Une découverte sur un jeu qui me faisait de l'œil depuis le 3 de l'année dernière, donc le 3 2015. Unravel. Vous savez, l'espèce de jeu qui a été présenté par quelqu'un qui a failli nous faire une crise cardiaque sur scène. Ça m'a fait hurler de rire, le pauvre, il était tellement stressé de présenter son jeu. Bon, à sa décharge, il y a également le présentateur de No Man's Sky, hein, qui lui aussi était vraiment, vraiment pas rassuré. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont vraiment peur. Ils avaient vraiment peur de présenter leur produit. Mais cet E3 2015, c'était quelque chose de fou, franchement. Mais enfin, bon, bref, donc on est là pour la découverte de ce petit jeu qui est Unravel. Je ne me suis spoilé pas le moins du monde, rien du tout. Pour tout vous dire, la seule chose que j'ai vue, c'est uniquement la présentation de l'E3 et ça date d'un an. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire, on va tout découvrir, ça va être impeccable. Appuyez sur le bouton Wazelos Wilder, bien le bonjour. Electronic Arts, contrat de licence utilisateur final logiciel. Venez noter que l'article 14 contient une clause d'arbitrage ayant... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ayant force obligatoire et une renonciation à toute action de groupe, il concerne vos droits à la résolution d'éventuels litiges. Avec qui est. Merci de le lire attentivement. Oulala. J'accepte si tu veux. Qui lit ces machins? Alors, bienvenue dans Unravel, un jeu créé par Coldwood. Les bois froids. C'est pas mal ça. Pendant 2 ans et demi, nous avons mis tout notre cœur dans ce jeu et nous sommes ravis de pouvoir enfin le partager avec vous. Les jeux peuvent avoir un impact important, ils permettent à un petit studio comme le nôtre de s'adresser au monde entier. Dans cette optique, nous avons décidé de laisser parler notre cœur. C'est ainsi qu'Unravel est né, et c'est pour cela qu'il traite de thèmes comme l'amour, la nostalgie et le renouement de liens brisés. J'ai pas eu le temps de lire la suite, mais en tout cas c'était joli. Bah écoutez... J'espère que votre jeu est sympathique, messieurs de chez Coldwood. En tout cas, j'attends que ça. Ça m'a fait grandement de l'œil. La direction artistique réaliste m'intéressait grandement. Avec le petit personnage que l'on incarne aussi, cette espèce de petite pelote de laine. À bien voir ce que ça vaut. Alors allons-y, nouvelle partie. Y a-t-il une cinématique d'intro? Ça pourrait être pas mal, ça. Oui, non, ne se prononce pas. Ah! Le jeu commence directement. Apparemment, oui. Bon, eh ben pourquoi pas. Eh ben écoutez, bon, pas vraiment. Je ne sais pas si cette espèce de scène aura un sens particulier
durant le jeu, mais en tout cas, c'est... Ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le jeu est joli. Ça, c'est quelque chose de sûr, hein. C'est garni de détails. C'est garni de détails au premier plan. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Apparemment, je crois que plus on se déplace... D'accord, je croyais qu'en fait la pelote de laine, elle nous suivait. Ou du moins le fil, vous savez, le fil qui nous retient. Mais apparemment, non. Si on se déplace là-bas, en fait, ça se défile. Et si on revient en arrière, en fait, ça se rembobine. Bah, pourquoi pas. Encore une fois, je ne sais pas si ça a un symbole quelconque. En tout cas, malheureusement... Alors ça, c'est quelque chose, un premier truc qui va me déplaire. C'est ce que vous pouvez voir à l'arrière-plan, ce flou. Je déteste ce flou. Alors ça, c'est un effet de flou que je hais particulièrement dans des endroits isolés. C'est-à-dire, vous savez, c'est quelque chose qui est souvent très utilisé au cinéma. C'est-à-dire, en général, si vous voulez, quand vous avez un personnage au cinéma qui est au premier plan, donc là, c'est exactement pareil. On voit la petite le petit personnage, je vais l'appeler Unrival, même si je sais pas comment il s'appelle, je pense pas que ce soit ça, mais bon, on a le petit de Unrival qui est au premier plan, donc du coup le focus se fait sur le premier plan, mais je déteste voir du flou dans le fond dans un jeu vidéo. C'est-à-dire, au cinéma, je veux bien comprendre, parce que l'attention doit être portée au premier plan, donc au personnage principal, mais dans un jeu vidéo, bordel, un truc que moi, j'apprécie particulièrement, c'est de regarder tous les décors et de pouvoir me délecter de tous les détails que le jeu vidéo peut apporter. Je hais voir cet effet de flou dans des endroits confinés comme ça. Il y a très peu de jeux où ça m'avait plu, notamment dans Sonic Lost World, où là, on avait un flou qui était en soi vraiment beau, parce que le flou qui était au sol montrait ça te montrait quelque chose, mais ça te montrait quelque chose qui était très éloigné, donc du coup c'était en soi un flou qui était très bien utilisé, mais quand c'est un flou rapproché comme ça, je trouve que ça m'agresse les yeux et j'aime vraiment pas ça. Mais enfin bon, appuyons sur le bouton X. Qu'y a-t-il là-dedans? Apparemment c'est un bouquin. Des espèces de photos, c'est peut-être des photos qui se... Voilà. Des photos que l'on ne peut pas voir, certainement des photos trop vieilles, qui se sont desséchées, on dirait. Ou alors peut-être qu'il faut les faire défiler comme ça, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a une fin? Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'impression de voir de fin, enfin bon bref. On va avancer. Le petit Unrival est en train de regarder le petit truc à photo, là. Descendons. Continuons de descendre. Par contre, quel est le but de ce jeu? Je crois que c'est un jeu de plateforme énigme, entre guillemets. C'est du moins ce qui m'avait sauté. Herbe folle. Herbe folle. Appuyons sur X, testons. Testons pour voir. Peut-être une sélection de niveau. Je ne sais. Oh. C'était peut-être une sélection de niveau. On voit une personne qui était sur une photo accompagnée qui se retrouve toute seule. Ah, on peut bouger. Bah pardon. Je croyais que notre petit personnage était en train de regarder un petit peu partout, mais... Apparemment, on peut bouger. Eh bah, allons-y. Et encore une fois, ce flou dans le fond... Alors, c'est peut-être certainement... Encore une fois, c'est pour montrer comme quoi le premier plan est très beau, donc on fait le focus dessus, mais... L'arrière aussi a l'air très beau, les gars. L'arrière aussi a l'air très beau et détaillé. Moi, j'ai envie d'en voir un petit peu plus, quoi. Bah, vous voyez pourquoi je n'aime pas... Je n'aime pas les effets de flou. Ce qui est dommage. Oh, papillon! Pas attraper le papillon.
Oula, par contre, notre petit personnage devient fatigué, là. Allez, et... T'as pas envie? Et... Il vous faut plus de laine. Maintenez RT pour lancer le lasso. D'accord, donc on reste comme ça. Maintenez RT, déplacez-vous à gauche pour tirer le cadran solaire vers vous. Ah. Yeah. Voilà. Voûte. D'accord, et c'est de cette façon que l'on progresse. C'est-à-dire, on perd de la laine au fur et à mesure. Vous sauterez plus haut et plus loin si vous courez. Oui. Yeah. Oui, mais apparemment... apparemment, il court automatiquement. Maintenez B pour saisir des objets, déplacer le pont vers la gauche. Maintenez LT pour saisir votre queue de laine, puis remonter le le stick analogique gauche. Ah, d'accord. Appuyez sur A pour traverser le fossé en sautant. D'accord, ah, c'est pas mal. Donc là, je suppose qu'il faut faire la même chose. Hop là. Hop là. Donc, LT. Voilà. Yep. Voilà. RT pour lancer le lasso. Ouais. Jusque là, rien de bien compliqué apparemment. Oh oh, qu'est-ce donc? Un petit enfant apparemment. Oh. J'ai bu l'âme de cet enfant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Les surfaces qui scintillent comme ceci peuvent être escaladées. Utilisez le stick analogique gauche pour grimper. Oui, bon, on est dans la phase de tutoriel. Hein. Appuyez sur A pour sauter. C'est le saut, voilà. Un petit peu de pelote de laine, ça fait plaisir. Hop là. Ah, faut maintenir. Faut maintenir, j'ai oublié de maintenir. Hop, 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 hop. Soit dit au passage, le jeu est vraiment beau. Hein. Encore une fois. J'aime beaucoup la direction artistique. Appuyez sur X pour attacher de la laine, essayez de construire un pont de laine. Voilà. Joystick gauche vers le bas, relâché pour vous catapulter. Ah d'accord, je vois. Et encore une fois ce flou. Oh. Mais enfin bon. Qu'est-ce donc? Ah, des oiseaux. Hop là. D'accord, je pense avoir compris. Hop. Oh. Je suis mangé une pomme. Vous vous souvenez de votre lasso? Oui, bon, tu vas me le dire... Tu vas me le dire combien de fois, mon grand... Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, quoi. Hop, 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 hop. Ça, tu peux monter là. Hop, un petit peu de laine pour Bibi. Orienter stick analogique vers le bas. Hop, on veut certaines. Hein. Maintenez LT, utilisez le stick analogique pour descendre en toute sécurité avec votre queue de laine. Je vois, je vois. Hop. Vous voyez les lumières tourbillonnantes, si vous quittez et revenez à ce niveau, vous reprendrez à cet endroit. Ah, descend. Youhou. C'est donc ça, le checkpoint. Ah, tiens, des pommes. D'accord, une pomme qui est tombée. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça fait plouf et c'est fait plouf. Ah. Ouh. On se remplir d'eau ce truc. Après je sais pas si... On peut nager? Non, on peut pas nager. Donc une pelote de laine s'est noyée. Apparemment on ne pouvait pas nager. D'accord, mais du coup, là,
doit forcément servir à quelque chose. On va voir comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça progresse. Moi, je bois un coup en attendant. La flotte, la pomme va certainement flotter, je pense. Ah, c'est bien ça. Ah, d'accord. Donc il faut, je pense. Ça c'est, je pense. Voilà, saisir des objets. Ça, toi, tu vas là. Il y a des pommes un petit peu partout. Donc toi, hop là. Hop là. Je pense avoir compris. Voilà. Regarde-moi ça. Alors toi, la pomme, on va te pousser jusqu'à là-bas. Allez, zou. Hop. Et il va certainement falloir faire ça. Avec je ne sais combien d'objets. Tiens. Allez, mon grand. Je me demande si on peut pousser plusieurs objets à la fois, tiens. Oui, parfait. Allez. C'est plus difficile, mais... Mais ça va, ça passe. Allez, hop, plonk, plonk. J'ai quand même envie d'essayer, tiens. L'animation du personnage est pas trop, trop mal. Hop. Et on est passé. Si vous êtes bloqué, maintenez un pour recommencer une session. Non, non merci, ça va. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh, un colibri. Putain, ce petit truc là, ça me fait penser à une scène, de, vous savez, une scène des mille et une pattes, t'sais, avec les deux cloportes là qui voient l'oiseau. Cui-cui. Allons-y gaiement, on arrive dans une autre maison apparemment. Un petit barbecue et tout. Hop. Certainement. Ah. D'accord. Hop là. Bon, c'est le tutoriel. Un petit ding parce que ça fait plaisir. Oh. Monte mon grand, monte. Hop là. Ah, je n'ai plus de laine. Descendre en bas, non? Non. Non, mais en tout cas, il faut que je monte. Hop, 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 hop. Y a-t-il un endroit? J'essaie de voir si ça sert à quelque chose, mais... Apparemment, non. Hop. On a plus de laine, à ce niveau-là. De laine. Ah bah j'ai détaché le... J'ai détaché le nœud papillon du coup. Ouais mais ça va pas me... Ça va pas me servir à grand chose je pense. Et là on est au max là. On est au max ici et je ne vois pas de... Hop. Je ne vois pas de pelote de laine en fait. Je ne vois pas de pelote de laine du coup... Qu'est-ce qu'il fait quand il est comme ça? Il s'assoit. Sinon, bon, RT c'est le lasso, LB et RB ne servent à rien, le bouton Y non plus, le bouton B c'est pour saisir les objets, le bouton X interagir avec d'autres objets, le stick à l'analogique droit ne sert à rien, L3 ne sert à rien, R3 non plus, les flèches directionnelles ne servent à rien hormis la flèche directionnelle bas. On peut rien faire avec ça. On peut rien faire, mais... Mais oui, mais du coup, on passe comment? C'est bien beau de faire sonner la cloche, mais... C'est bien beau de faire sonner la cloche, mais on fait quoi avec ça? Peut-être si jamais je la... Je l'attache. Hop. Ah non, ça marche pas. Hop, 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 hop. Détache-moi ça. Je pense avoir une idée. Ça me paraît farfelu, mais... Ça me paraît un peu farfelu, mais je pense avoir une idée. Alors, vas-y. Hop. Hop là, si je t'attache là.
Ah ouais, mais du coup, non, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Ce que j'avais essayé de faire, c'était essayer de faire un pont. Essayer de faire un pont en fait entre la cloche et ça. Mais putain, mais c'est chelou quand même. Ah. Ah, mais tu vas monter, oui. Ah putain. Je crois avoir vu. Je crois avoir vu. Il y a quelque chose en dessous. Là. Voilà. Il y a de la pelote là. Hé hey. Pourquoi tu veux pas passer? Tiens, un. Voilà. De la pelote ici. Ouh. Ah, bah ça va bien mieux là déjà. Ah, déjà un petit peu plus de vie. Eh ben allons-y. Cette fois on va pouvoir progresser. Yep. Yep. Sur les gros tournesols. Il y a encore de la pelote ici. Merci. J'ai vu qu'il y avait quelque chose en bas. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Est-ce que je peux y aller par là? Non. Mais il y a un truc ici. Vous savez quoi? On va voir ce que c'est, tiens. Eh ben, mon grand. Tu peux pas... Ah, on peut pas remonter, là? On peut pas remonter, ici? Apparemment, non. Ah, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ah, et là, maintenant, je peux remonter. Bien. Là, à descendre. Allez, mon grand. Hop. Et enlève-moi cette mauvaise herbe, là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Une capsule de bière d'œuf, certainement, apparemment. Bon. Allez, monte, mon petit. La musique est pas mal, hein. La musique est vraiment pas mal, c'est sympa. Ah. Vous partirez. Allez. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Ah, pour m'enfuir de cet endroit, peut-être. Hop. Ah, je crois que c'est ça. Hop là. Oh. Et on est parti. Ouh. Tu vas plus avoir pelote, mon ami. Eh ouais, t'es fatigué, là. Zou. Ça, c'est fait. Il y a deux trucs en haut, mais j'ai envie de visiter par là, moi. Y a rien ici? Si. Si, y a quelque chose. Regarde. Regarde la capsule, là-haut. Y a une capsule en haut. Je veux savoir comment la voir. Yeah, mon grand. Ah, je pense savoir ce qu'il faut faire. Ah, vas-y, hop, 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 hop. Je veux choper la capsule. Yep. Raté. Oula, on peut mourir apparemment. Ouais. D'accord. Bon, va vraiment falloir m'expliquer la logique. La logique comme quoi... Bon, j'ai envie de te dire... Une pelote de laine qui se noie. Why the fuck not? Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, voilà, parce que la laine et l'eau, j'ai envie de dire, de la laine, ça peut se gorger d'eau, donc du coup, ne plus pouvoir respirer ou je ne sais quoi. Mais autant de la laine qui meurt, comme je viens de le faire, de chute. Cela, c'est... Tu me dis, tu prends des dégâts de chute, voilà quoi. Bien. Récupère la capsule, mon grand. Voilà. Tout ça pour une capsule et que je ne sais pas ce que c'est. Mais on va dire dans la logique des développeurs de maintenant, ce sera certainement pour un fucking success. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y en a encore un là-bas. Yeah. On peut passer par en haut. Ça fait une petite phase dans Donkey Kong Country, mais... What the fuck not. Hop là. Oh. Une petite fille. Qui joue dans une cabane, apparemment.
Et je bois son âme, encore une fois, Skyrim-like. Voilà. Qu'est-ce donc ? De la pelote. Merci. À mon avis, le scénario, ça doit certainement... La petite pelote de laine doit certainement représenter... la mémoire, entre guillemets, du personnage que l'on a vu au départ. Sauf que cette petite mamie était en fait une enfant. Et à mon avis, ça doit être un personnage que l'enfant a fait, je pense. Et qui, c'est un personnage qui l'a su, tout simplement. Je pense que c'est ça, hein, après. I am not an expert, you know. Je suis pas un expert, mais il y a de grandes chances, je pense, que ça doit être ça. Et on va retracer certainement plusieurs moments, moments de la vie de la petite fille. Hop. Je sais pas du tout pourquoi je prends ce B, mais à mon avis ça m'a l'air tellement évident qu'il va falloir faire quelque chose avec ça. Oh, le hérisson! Oh, la bébête! Ici! Mais eux! Hérisson, il s'en va. Oh. Ça m'a surpris pour le coup, hérisson. Je prends toujours ce bloc. Ouais, voilà. Je ne sais pas à quoi il va me servir, mais on sait jamais. Vous savez quoi? Je vais vous laisser un petit peu avec l'ambiance. Et on se reprendra... hop là. Ah, quoique... C'est trop... Peut-être falloir laisser le bloc ici. Pour pouvoir faire effet de balancier. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On va ramener le bloc là. Voilà. Pousse-toi, Charlie. Hop. Le hérisson, regardez qui revient. Il fait sa ronde. Il est bien. Et hop. C'était bien ça. Facile. Je sais pas du tout pourquoi je suis arrivé ici. Oh. Eh mon grand, tu vas pas me dire qu'une pelote de laine arrive à faire ça, juste non. Allez, monte. Ah, dépêche-toi. J'ai dit monte. Là, merci. Mieux, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop loin. Une pelote de laine qui joue à ce point sur l'inertie d'un pneu. Et... Bon, au moins c'est passé. Hop. Oula. Oula, changement d'ambiance. Je vous laisse avec la musique, excusez-moi. On se reprend un petit peu plus tard.
J'ai tellement envie de faire un petit je ne sais pas si je le rajouterai si je le rajouterai au montage. Mais bon, apparemment, on vient de finir un niveau. Et les petites âmes que l'on a récupérées, hop, on les renvoie ici. Ah, et ça va peut-être compléter le bouquin. Oh, et même d'autres choses. Excusez-moi. C'était si beau quand c'était tout neuf. C'est toujours aussi beau même si le temps a changé les choses. Herbe folle. Ah, et c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ça revigore les souvenirs. Et ça doit être certainement un souvenir à faire revenir, mais dans le deuxième level. D'accord. Et là, on voit une... Tiens. Ah, il y a un bout de la photo qui a été rajouté, là. Parce que là, avant, ici, il n'y avait pas de photo, je crois. Ici, il n'y avait pas de photo. Je crois que c'était juste un cadre. Mais il n'y avait pas de bout de photo. Tiens donc. On va voir s'il y a un deuxième level, alors. Toujours au même endroit, ou... Herbe folle, 3 sur 5. Non, c'est pas au même endroit, il va falloir trouver un autre endroit. Alors, il y a la mer, purée de fruits rouges. Purée de fruits rouges, apparemment, on ne peut pas y aller. Donc, certainement la mer. Eh ben, allons-y. On commence vite fait le deuxième niveau, et une fois que... Parce que je vais pas tout vous montrer non plus, faut pas déconner. Ça reste une petite... Oh putain, toi, t'as confiance, hein. Prendre un crabe comme ça, avec les pinces côté main... Fais gaffe à toi. Mais enfin bon, donc voyons voir. De toute façon, je vous fais une petite découverte de ce jeu. La review arrivera très certainement 2 ou 3 jours après la découverte. Parce que voilà quoi. Parce que je pense qu'à mon avis, le jeu ne va pas être très très long. Donc je pense que je pourrais vous faire peut-être plus une flash review que... Une review normale. Ah, souvenir. Souvenir des enfants qui jouent au cerf-volant. Je pense qu'à mon avis, ouais, on fera ça. Ce sera plus. Hop là! Plus une flash review que. Qu'une véritable review, parce que je pense pas que j'aurai besoin de. De dire beaucoup de choses là-dessus. Ah. Hop là. Je croyais que ça allait être un truc bonus, mais en fait non, apparemment c'est le chemin. Hop. C'est bel et bien le chemin à emprunter. Remonte mon grand, remonte. Ça c'est pratique ça par contre. Le fait de pouvoir remonter. Remonter un petit peu quand on veut. Il y a presque plus de pelote, mon petit ami. Rien à récupérer là-bas. Vous voyez, regardez, vous avez exactement là l'exemple typique du pourquoi je déteste le flou comme ça. Regardez ça. Vous imaginez pas, sans déconner, un arrière-plan magnifique. Je veux dire, avec l'eau, je ne sais pas si c'est la mer ou si c'est un lac. Je pense plus certainement que c'est un grand lac. Plutôt que la mer à cause de la montagne qu'il y a derrière, mais je veux dire la forêt qui est sur la montagne en fond avec le rayon de soleil sur l'eau avec la... Pourquoi vous avez flouté? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce besoin de flouter. Pourquoi ce besoin de flouter le fond encore une fois, je veux dire. Ça pourrait donner des visuels magnifiques, mais vous en profitez pas. Je ne sais pas.
Bon, par contre, il va falloir récupérer ce... Ouais, ouais, non, mais... On va la récupérer. Rien de plus simple, regarde. Regarde, Bobby. Hop là. Hein? Yop. Et on récupère la petite pelote. Wouit. C'est easy. Et ouhouhou. Regardez-moi ce flou, quoi. Ah, il faut voler apparemment avec. Apparemment, faut le contrôler. Je croyais qu'il se dirigeait tout seul. Mais putain, mais sans déconner. Regardez l'exemple, encore une fois. Ça pourrait être juste magnifique, non? Vous pensez pas? Vous pensez pas que ça pourrait être merveilleux, là, franchement, avec un vrai décor dans le fond et pas cette bouillie de flou. Regardez-moi ça. C'est dommage. Ça gâche un potentiel, je trouve. Hop. Ah putain. Eh, le Zélo, c'est malade. Vous savez, le froid, tout ça. L'hiver. Fait chier. Ouais. Et hop, on descend. Hop. Truc à récupérer en bas. Allez récupérer la pelote. Et au final, je vais vous laisser avec certainement 2-3 minutes du deuxième niveau. Et puis on pourra se laisser là, parce que je vais pas tout vous spoiler non plus. Au final, ça a l'air sympa, ça a l'air monstrueusement simpliste. Par contre, ça me fait peur, quoi. Parce que j'ai peur de me faire chier devant ce jeu. Parce qu'il est joli, oui. Mais c'est pas le tout d'être joli. Je veux dire, c'est un jeu. J'espère. J'espère que les développeurs l'ont vu comme un jeu. Non pas comme je ne sais quoi d'autre. Hop là. Ouh. Décidément. Sportif. Mais enfin bon. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Je vous donne certainement rendez-vous pour la review qui arrivera. Un de ces quatre, hein, quand je ne sais pas exactement, vous savez très bien ma situation en ce moment, donc et hop, je la ferai quand je pourrai, mais je pense qu'à mon avis elle arrivera très vite, parce que là j'ai 2 jours devant moi, et je pense que en 2 jours ce jeu je pourrai largement le terminer. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous dis ciao à tous, youhou, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.